aussi, bon, j'aime beaucoup cette peinture parce que il y a beaucoup d'humour. Donc là, on voit deux personnages. Alors souvent, bon, vous verrez dans mes toiles, il y a peu d'hommes. Il y a quelques hommes, mais beaucoup moins que des femmes. Et c'est des hommes qui sont pas masculins. C'est pas des hommes dangereux, c'est pas des hommes trop masculins. C'est des hommes qui ont un côté féminin qu'ils acceptent de montrer, si vous voulez. Et là, on a deux personnages. Donc, un homme, une femme, deux femmes. Je pense pas que ce soit deux hommes. Chacun y voit ce qu'il veut. Donc, il y a un petit côté humour. Celles-ci ont bon, quand même assez féminine avec une cravate. Voilà. Et qui regarde une toile. Et cette toile, donc, c'est... Voilà, je l'ai signée Redor, donc cette toile, elle hésite. Disons que je parle aux gens qui sont devant la peinture. L'acheter ou pas, c'est le titre de la toile. Et donc, ben, pour le prix d'une, vous en avez deux, là. Voilà, sinon, ça c'est une toile qui est un peu plus ancienne. Le trait, elle est un peu plus ancienne, mais elle a été remaniée, elle a été retravaillée. Le décor vient... toujours pour mettre en valeur les personnages. Alors, j'utilise beaucoup de courbes, voilà, moi j'aime les courbes, j'utilise beaucoup de courbes, et pour contrebalancer la courbe, pour la montrer, pour lui donner de la valeur, parce que tout, il y a le yin et le yang, le blanc et le noir, donc le courbe et la droite, la courbe et la droite, et bien vous voyez, le décor, là, il y a toujours des lignes droites qui viennent renforcer le côté courbe du trait. Donc là, c'est une scène d'intérieur avec une fenêtre, mais la fenêtre, on s'en fiche un petit peu, hein,